droit des consommateurs, la téléphonie au menu des discussions. À l'instar d'autres pays, Madagascar célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des droits des consommateurs. Le Réseau national de défense des consommateurs, ou RNDC, a marqué cette journée à l'immeuble Plan Danous. Parmi les droits des consommateurs figurent le droit de choisir, le droit d'être informé, le droit à la sécurité et le droit d'être entendu. Une fois de plus, Litara Bétar, président du RNDC, a mis en exergue la nécessité de mettre en place un ministère de la consommation et du ravitaillement. Ceci contribuerait à la conception et à la mise en œuvre de la politique économique de la République de Madagascar en veillant au bon fonctionnement des marchés au profit des consommateurs et des entreprises. Le rôle de l'État comme garant de l'ordre public économique sera fortement réaffirmé, conjuguant renforcement de la protection des consommateurs et compétitivité de l'économie. Le ministère de la Consommation et du Ravitaillement sera notamment chargé d'instaurer un climat de confiance dans les échanges. S'appuyant sur des équipes d'enquête et sur une connaissance économique acquise au plus près du terrain, il définira chaque année les priorités d'action à mener. L'objectif étant de répondre aux nouveaux enjeux de consommation et de veiller au bon fonctionnement des marchés. Comme le thème de la journée internationale concerne les droits des consommateurs en matière de téléphonie, une conférence autour de ce sujet a eu lieu aujourd'hui.